Marjorie. Non, je m'excuse. Marilyn. Non, pas du tout. Julien. Moi, c'est Evelyne. Marilyn. Non, je suis pas Marilyn. Marilyn. Non, j'ai dit Evelyne, c'est pas Marilyn, hein. Est-ce que vous entendez la voix? Je vous entends, vous? Lequel? Mais vous rigolez, là, ou quoi? Écoute-moi attentivement. Et arrêtez de me tutoyer, hein. Pourquoi? Vous me dites écoute-moi. Oui. Écoutez-moi. Est-ce que vous avez un frère? Oui, j'ai un frère, oui. Es-tu le frère de Benjamin Castaldi? Certainement pas, hein. Oui. Julien? Oui, bah, je regrette, il n'y a pas de Julien ici. Est-ce que vous êtes fils unique? Je sais pas, mais vous êtes à côté de vos peuples, non? Ah non. Non, eh ben donnez-moi votre numéro de téléphone au moins. 6. 6. 7. 7. 6. 6. 6. 6. 6. Oui, bien sûr. 6. Écoutez, il faut pas taper sur mes nerfs parce que ça va aller mal. Vous devez écrire. Oui, bah allez-y, répétez un peu, je vais le noter. La voix répond seulement quand elle le souhaite. Bon, écoutez, hein, ça suffit, hein. Oui. Marilyn. Evelyne, ouais, ça suffit, hein, je vous assure, vous me tapez sur les nerfs. Pimpon plus fort. Oui, je vais vous passer mon mari, vous allez voir. Ah. Vous allez être reçu. Merde. Allô? Ici la voix. La voix? Je suis la voix. Tu réponds, mais la voix, les gendarmes, ils passent, je les ai arrêtés, là. Est-ce que tu mens? Pour vous demander ça. Pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets? Pourquoi t'as déclenché l'alarme des secrets? La voix est très mécontente. Ouais, ben la voix, je t'emmerde. Merci, Benjamin. C'est tout.